Si vous entendez des bruits étranges lors de votre visite sur l'île de Komodo, n'allez pas y regarder de plus près. Car vous pourriez vous retrouver nez à nez avec le plus grand et le plus dangereux lézard au monde. Et il a l'air affamé. Alors qu'il commence à vous charger, vous réalisez que vous n'avez jamais vu une créature se déplacer aussi vite auparavant. Voici comment survivre à une attaque de dragon de Komodo. Si vous pensez que les dragons n'existent que dans les contes de fées, nous avons une surprise pour vous. C'est le dragon de Komodo. Ils ont des dents de requin, des muscles puissants et bien assez de force pour tuer un être humain. Les dragons de Komodo sont des poids lourds dans le monde des lézards. Ils pèsent plus de 136 kg et mesurent jusqu'à 3 mètres de long. On ne les trouve que sur plusieurs îles d'Indonésie et on estime qu'il y en a près de 5700. Environ 176 000 personnes ont visité le parc national de Komodo en 2018. Vous êtes autorisé à traverser le parc par vous-même, mais vous devrez être prudent. Si un dragon affamé vient vous chercher, que pourriez-vous faire pour survivre? Pouvez-vous distancer un dragon de Komodo? Pourquoi leur morsure est-elle si dangereuse? Et pourquoi courir en zigzag peut vous sauver la vie? Les dragons du parc national de Komodo ont attaqué 31 personnes depuis 1974. 5 d'entre elles sont mortes. Voici comment vous pouvez visiter l'île de Komodo et en sortir vivant. Première étape, n'y allez pas seul. Lorsqu'un dragon de Komodo part à la chasse pour un repas, il préfère une cible qui est seule. Donc restez toujours entouré d'autres personnes. Et ne soyez pas radin. Payer les services d'un guide ou d'un garde forestier est le moyen le plus sûr de se promener dans le parc. Étape 2. Restez sur le chemin. Il est très important de rester sur les pistes de randonnée officielles du parc. Si vous quittez ces sentiers, vous risquez de vous approcher trop près d'un dragon de Komodo. Ils aiment se cacher dans les buissons et à l'ombre, sous les maisons en pilotis. Troisième étape, gardez vos distances. Si vous vous approchez trop près, les dragons de Komodo se sentiront menacés et seront plus susceptibles d'attaquer. Mais même si vous observez les dragons de Komodo à distance, faire des mouvements brusques peut les effrayer et déclencher une attaque. Étape 4, faites profil bas. Les dragons de Komodo ont un odorat incroyable. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas porter un parfum fort. Laissez votre eau de cologne à la maison. Les personnes en période de menstruation ne sont pas autorisées à s'approcher des dragons car ils peuvent sentir la moindre odeur de sang. Lorsque les dragons sentent du sang, ils croient que ça provient de leur proie. Et si vous faites beaucoup de bruit, cela peut attirer un lézard affamé ou encore le déranger. Il peut alors vous attaquer juste parce qu'il se sent menacé. Étape 5. Courez en zigzag. Vous n'avez pu résister à l'envie de faire du bruit. Maintenant, un dragon de Komodo en colère est en train de vous charger. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez peut-être le distancer. Les dragons peuvent atteindre une vitesse de 21 km/h, mais pas pour longtemps. Alors donnez tout ce que vous avez et vous pourrez peut-être vous échapper. Si vous n'êtes pas un coureur rapide, si vous êtes fatigué ou si le dragon est assez proche pour se jeter sur vous, cette astuce pourrait vous sauver la vie. Les dragons de Komodo ne peuvent courir que droit devant. Courez donc en zigzag et le dragon cessera de vous poursuivre. Si vous voyez une maison en bois sur pilotis, montez tout de suite les escaliers. Les grands dragons de Komodo ne peuvent pas monter les escaliers. Mais les jeunes dragons vivent dans les arbres, alors ne prenez pas le risque de grimper à un arbre. Étape 6. Luttez contre le dragon. Si un dragon de Komodo vous mord, c'est une mauvaise nouvelle. Si vous essayez de fuir, le gros lézard peut vous suivre sur des kilomètres, en attendant que son venin fasse effet. Alors, forcez le dragon de Komodo à vous laisser partir. Les écailles du dragon sont comme une armure. Vous ne blesserez donc pas le dragon de Komodo en le frappant ou en lui donnant un coup de poing. Utilisez plutôt une branche d'arbre ou une pierre et frappez ses narines, ses yeux ou l'intérieur de sa bouche. Si le dragon n'est pas trop gros et qu'il vous saisit, vous pouvez essayer d'ouvrir sa gueule avec vos mains. L'actrice Sharon Stone a organisé un cadeau d'anniversaire spécial pour son mari. Une visite dans la cage d'un dragon de Komodo au zoo de Los Angeles. Mais alors qu'il essayait de prendre une photo, le dragon lui a attrapé le pied. Il a alors forcé les mâchoires du dragon, l'a jeté sur le côté et s'est traîné hors de la cage. Étape 7. Soyez rapide ou vous êtes mort. Appelez à l'aide pour recevoir des soins médicaux dès que possible. Ne perdez pas de temps car le venin pourrait vous faire perdre tout votre sang. Obtenir des soins médicaux est votre priorité numéro 1.
Et n'oubliez pas que le sang pourrait attirer d'autres dragons. Si vous pouvez bouger, retournez sur le sentier et demandez de l'aide à un guide, car il dispose habituellement de bâtons fourchus pour éloigner les dragons. Ces dragons n'attaquent que s'ils se sentent menacés, s'ils sont provoqués ou s'ils sentent l'odeur du sang. Les humains ne sont pas leur proie habituelle. Mais les dragons sont en train de perdre leur habitat naturel et leur source de nourriture. Supposons que vous avez survécu à l'attaque du dragon de Komodo. Mais que se serait-il passé si le lézard avait été beaucoup plus gros? Pourriez-vous survivre à la période jurassique? Découvrez comment ce serait possible ici dans Comment survivre.